ma petite femme. Ma chère femme, ma chère femme. Mon cher mari, mon cher mari. À quel plaisir que c'est gentil, ma chère femme. Mon cher mari, à quel plaisir que c'est gentil. Le joli mariage, l'amour se nous engage. Le joli mariage, nous voilà donc unis. Joli mariage, l'amour se nous engage. Ma chère femme, ma chère mari, ma chère femme, ma chère mari, à quel plaisir que c'est gentil, à c'est gentil, le joli mariage, l'amour se les engage, le joli mariage, enfin qu'ils sont unis, pour les pédés aussi, pour les hommes pédés aussi, gentil et sage, je dois combler tous mes vœux. Venez, venez, qu'ils sont heureux. Tu vas combler tous mes vœux, ma chère femme. Mon cher mari, oh quel plaisir. Que c'est gentil. Mon petit mari, mon petit mari. Maintenant, à la danse, amis, que l'on s'élance.
Ma bonne Madeleine, tu voilà Madame Chapeloud, la femme du premier postillon de la poste de Longjumeau. Ça flatte l'amour propre d'une jeunesse, hein, méchante. C'est bon, messieurs les jolis cœurs. Vous êtes fiers comme un paon. Écoute donc, Madeleine, sais-tu que j'étais joliment couru des jeunes filles? Quand je pense à ça, j'en étais enjolé de ces femmes. J'en étais croqué de ces poulettes. Oui, mais maintenant vous ne croquerez que moi, mauvais sujet. Oh, c'est vrai. Il faut dire bonsoir à la vie de garçon. Ah. Mais est-ce que vous ne m'aimeriez plus, monsieur? Moi, qui vous ai fait tant de sacrifices, j'ai encore reçu une lettre de ma tante. Cette bonne tante qui est allée s'établir à l'île de France et qui veut absolument que j'aille la rejoindre. Ah, ça? Est-ce que décidément elle a fait fortune là-bas, la digne femme? Je crois bien, une fortune de duchesse. Oh. Et tout ça, j'y renonce pour épouser monsieur qui se permet de soupirer. Mais qu'est-ce qui vous tracasse, voyons? Eh bien, tiens Madeleine, tu vas tout savoir. Tu as entendu parler de la mère Grabille? La vieille sorcière du village. Juste, savante femme, j'ai été la consulter sur notre mariage. Oh, comme ça se rencontre. Tu sais, le père Gaspard. Le vieux berger, le petit bossu. Oui, je l'ai consulté de mon côté sur notre union. Oh, voyez-vous ça? Quoi tous les deux, qui l'ont cru, à l'aventure et singulière. Si qu'à la ville m'attendait le plus grand.
me serait bientôt facile à Paris de vivre en seigneur. Seigneur, bref, pour parler avec franchise, elle m'a dit qu'en t'épousant je fais. Quoi donc? Oh non, je n'ose pas. Allons. Je fais Anne. Une bêtise. Oh!
tâche, présage, je veux être plus pâle, plus tendre, Marie. Pas vu à Manos, toi? Parce que j'étais à ma forge. Et parce qu'il est jaloux de voir le bonheur d'un rival, n'est-ce pas, monsieur Bijou? Ah, c'est vrai. Je crois qu'il te faisait un petit doigt de cour, Madeleine. Je lui faisais bien une cour tout entière, sans compter qu'elle ne me voyait pas dans mauvais œil. Ah, si l'on peut dire, faiseur d'histoire. Allez, sans rancune, je ne t'en veux pas. J'ai même un petit service à te demander. Voyons voir. Voilà. Tous les postillons sont en course, et s'il arrive ce soir un voyageur, il n'y a pas à dire, il faudra que je mette les bottes. Eh ben ? Eh ben, quand on se marie, on a autre chose à faire que de galoper la nuit sur la grande route. Alors, tu auras la complaisance de me remplacer en cas de besoin, hein ? Ainsi, c'est convenu ? Nous pouvons compter sur vous, voisin ? Comment donc ? Pouvez compter ? Sur rien du tout ! Tu refuses ? Toulette ! Et je ne demande plus qu'une chose. C'est qu'il vient d'un voyageur. J'espère bien tout le contraire. Mais j'ai lieu de croire... Hola, quelqu'un ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Maudit postillon ! Hola, quelqu'un ! Un voyageur ! Un voyageur ! Un voyageur ! Que le diable l'emporte ! Fameux, fameux ! Dis donc, Chapelou ! Fais-tu que je t'aide à mettre tes bottes ? Malotrude postillon qui se permet de me verser, moi, le marquis de Corcy, gentilhomme de la chambre du roi ! Y a-t-il un charron dans ce village ? Un charron ? Présent. Une roue de ma chaise vient de se briser. Peux-tu me la raccommoder? Oui, mon prince. Et dans une heure, vous pourrez vous remettre en route, vous. Oh, rien qu'une heure, Madeleine. Laisse-moi faire. Si, monsieur, en attendant, vous laissez réfléchir, nous avons un petit vin qui n'est pas méchant. Je n'ai pas soif. Je ne veux qu'une chambre où je puisse attendre en repos que ma chaise soit réparée. Entrez là, monsieur. Vous y serez bien à votre aise. Et nous, allons rejoindre les amis. Oui, oui. Votre servante, monsieur. Maladroit postillon, interrompre un voyage d'une si haute importance, un voyage ordonné par Sa Majesté Louis le 15e. Je vivrai 100 ans que les paroles royales ne sortiraient pas de ma mémoire. Comment, marquis de Corcy, nous n'aurons pas Castor et Pollux à Fontainebleau? Hélas, non, sire. Géliot, qui devait jouer Castor, s'est fait enlever par une duchesse, et le gros, sa doublure, a pris un coup d'air en dînant au port à l'anglais. Et vous n'avez pas un autre castor à mettre à la place? Pas le moindre castor, sire. Il y a de quoi en perdre la tête. À quoi diable sert-il donc de vous avoir donné l'intendance de nos menus plaisirs? Faites des élèves, monsieur. Cherchez des voix. Et je cherche des voix. Si Sa Majesté croit que c'est facile. Allons, encore ces paysans. La gaieté du peuple m'est fastidieuse. Thank you.
sur mon âme. Tu ne viendras pas. Laissez-moi rejoindre ma femme. Tu ne viendras pas, tu ne viendras pas. Allons, pour prendre patience, sans contifrance, mon garçon. Allons, chante-nous la romance du jeune et galant postillon. Je n'ai pas le cœur aux chansons. Chante. Je n'ai pas le cœur aux chansons. Chante. Sauvage galopait en groupe avec lui. Oh, qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Oh, qu'il était beau. De son mari parfois se mettait en voyage pour être conduite par lui. On procédait toujours fidèle, on savait qu'à droit postille s'il baissait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon. Qu'il était beau, qu'il était
enchanté, transporté. Hein? Quoi? Tu as le plus beau contreré que j'ai jamais ouï. J'ai un contreré? Où ça? Je t'expliquerai plus tard. Il s'agit de m'écouter. Je peux pas, je peux pas. Ma femme, Madeleine, qui m'attend. Il s'agit bien de ta femme, quand il y va pour toi, de ton avenir, de ta fortune. Ma fortune? Oui, à cause de ton contreré. Écoute, te dis-je. Je suis intendant des menus plaisirs de Sa Majesté Louis le 15e. Oh, c'est possible, mais vu la circonstance, je suis obligé. Quand je te dis que tu as 100 000 livres dans ton gosier. Dans mon gosier? Ça alors? Tu ne sais pas chanter, non, mais tu as une voix timbrée, flexible. Admirable. Je ferai de toi un artiste distingué et dans 6 mois, tu débuteras au Grand Opéra. Comment? Et tu gagneras 10 000 livres par an. 10 000 livres? Et ce n'est rien, cela. Tu verras la cour, les princesses. Allons, allons, ne perdons pas de temps. Je te le répète, songe à ta fortune, à ton avenir. Avec moi vite, il faut partir, il faut partir. Et quoi partir sans plus attendre? Non, je ne puis y consentir, non, je ne puis y consentir. Non, 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 je ne puis y consentir, y consentir. Il faut partir sans plus attendre, non, non, je ne puis y consentir. Allons, allons, la résistance est vaine. Le bonheur t'appelle à la cour. Mais qui t'aimerait pour moi son cœur à tant d'amour? Mon Dieu, ne te mets pas en peine. Bientôt tu seras de retour. Tiens, je ne puis, non, un autre jour. Demain, plus tard, la semaine prochaine. Demain, plus tard, la semaine prochaine. À l'instant, Bali tout regrette. Moi, m'échapperait, sa belle voix m'échapperait. Pour mon cœur, quelle peine. Je ne puis consentir en ce jour. De la richesse peu de favoris, captivant les âmes de toutes les femmes, des plus nobles dames, qui se marchaient pour toi, quel avenir joyeux, que de plaisir, que de fortune, dans tes amours toujours heureux, tu séduis la blonde et la brune. Ah, vous allez me tenter, vous allez me tenter, je ne pourrai vous résister, je ne pourrai vous résister. Eh bien, viens, demain, non, dans l'instant, non, non. Demain. Non, dans l'instant. Non, je ne puis. Pour mon cœur, quelle peine. Je ne puis, je ne puis en ce jour. Moi qui J'aurai de l'or plus gros que toi. Mais
expliquez-moi ce mystère. Mais expliquez-moi ce mystère. Devant ce seigneur, j'ai chanté. De ma voix, il est enchanté. Pour toi, quelle chose prospère. Moi, c'est de la voix, Dieu merci. Et que mes plans chantés aussi. Écoutez, comprenez.
ordres, madame, ont été exécutés. Vous trouverez dans votre appartement tout ce que vous avez commandé. Je vais donc revoir mon infidèle. L'idée d'être aujourd'hui près de mon mari, de lui parler, me cause un trouble. Comment ? Vous pouvez aimer encore un monstre qui vous a abandonné depuis 10 ans ? Qui vous a laissé partir toute seule pour l'Île-de-France ? Maintenant que, grâce à l'héritage de votre tante, vous êtes riche, extrêmement riche, que vous n'avez plus rien de la paysanne, à votre place, je ne penserai guère à mon mari. Vous avez déjà changé de nom. Eh bien, moi, je changerai aussi. Sois tranquille. Je lui ferai payer cher son inconstance. Ah, c'est scélérat d'homme. On ne saurait trop les tourmenter. Silence ! Voici le marquis. Ah, voilà la reine de ces lieux. Pardon, pardon, belle dame, de vous avoir fait attendre. Je ne vous en veux pas, marquis. Oh, que ces mots sont flatteurs. Croiriez-vous, madame, qu'un peu plus nous n'avions pas d'intermède ? Que c'eût été contrariant. Ce n'est pas parce que la musique et les paroles sont de votre humble serviteur, mais sans vanité, vous auriez perdu à ne pas entendre les vers que mon amour a enfantés. Mon œuvre est d'une délicatesse. Sous le nom du berger Titir, je m'y plains de vos rigueurs, belle inhumaine. Mais les comédiens viendront, n'est-ce pas ? N'ont-ils pas eu l'audace de refuser d'abord, sous prétexte qu'ils étaient fatigués de chanter, qu'on les accablait de travail ? Enfin, dans un instant, ils seront ici. Ah, vous me rassurez. J'eusse été désespérée de ne pas entendre votre intermède. J'aurais plutôt amené ici toute la troupe d'opéra pieds et poings liés, car pour vous plaire, que ne ferait-on pas ? Le devin du village a été supérieurement exécuté là avant-hier. Supérieurement ? Je retourne à Paris, madame. Puis-je espérer que bientôt... Quel est donc l'acteur qui jouait le rôle de Colin ? Le nommé Saint-Phare. Puis-je espérer que bientôt... Ah, c'est Saint-Phare ! Y a-t-il longtemps qu'il est à l'opéra ? 10 ans à peu près. Puis-je espérer que bientôt... Je suis sûre que c'est un mauvais sujet. Un détestable sujet. Oh, puis-je espérer que bientôt... C'est dommage, il est fort bel homme, ce Saint-Phare. Oh, allons, Saint-Phare, toujours Saint-Phare. Je ne puis plus me présenter chez une belle sans qu'elle me jette ce maudit nom à la figure. Quand je parle d'amour, on me répond Saint-Phare. Ah, c'est pure curiosité, je vous assure. Un homme de rien, un vil paysan que j'ai fait entrer à l'opéra, qui me doit tout, enfin... Ah, c'est vous ? Ah, je t'apprendrai à enlever un mari à sa femme. Que serait-il sans moi ? Un obscur postillon végétant avec ses chevaux, son avoine et sa femme. Oh ! Il est marié ? Il l'était avec une femme de son espèce, une vilaine, une rustre comme lui. Mais il est veuf maintenant, à ce qu'il m'a dit. Veuf ? Il vous a dit qu'il était veuf ? Madame, de grâce, madame, ne me parlez plus de cet homme. Demain, je retourne à Paris. Puis j'espérais que bientôt... Je vous laisse à votre répétition. Je vais écrire à quelques voisins pour qu'ils viennent assister à la représentation. Ne tardez pas à reparaître, car loin de vous, je dépéris comme une tendre fleur. C'est le plus flexible ne peut résister à cela. Tous vos chanteurs de l'opéra sont plus qu'à demi-mort déjà. Le berger près de sa bergère en vain souffle dans ses pipeaux. Pour fléchir le cruel cerbère hier en fait à chanter faux. Le fleur auprès de sa fontaine n'a qu'un petit filet de bois. Et près de la tendre chimène, me cite lui-même et aux abois. Tous les acteurs de l'opéra sont plus qu'à demi-mort déjà. Comment résister à cela ? D'ici m'appelle le plaisir. Peut-être en mon absence, la beauté que j'encense avec impatience en son logis m'attend pour me
me guidait près d'elle, sa soubrette fidèle, chez moi fait sentinelle, repartons à l'instant. Aux ordres que je donne, nul ne doit résister, je le veux, je l'ordonne, vous allez répéter. Ne craignez rien, tout ira bien, fidèle au plan que j'ai formé, que chacun soit fort enrhumé. Fidèle au plan qu'il a formé, que chacun soit fort enrhumé, que chacun soit fort enrhumé, fort enrhumé. Ne craignez rien, tout ira bien, ne craignez rien, tout ira bien, ne craignez rien, tout ira bien. Vous le voulez, mais c'est par complaisance. Je n'en peux plus, et pourtant je commence. J'éprouve une douleur horrible. J'ai le gosier en feu. Mais essayez encore un peu. Je ne le puis sur mon honneur. C'est vraiment avoir du malheur. N'en parlons plus, passons au cœur. En vérité, c'est impossible. Aucun de nous ne peut chanter. Renoncez-y, l'on ne peut répéter. Ah, quel malheur pour mon amour! Que dira Madame Latour? Que parlez-vous de Madame Latour? De ce logis, la maîtresse. Qu'ai-je entendu? L'objet de ma tendresse demeure en ce château. Je n'en puis revenir et pour la retrouver, moi qui voulais partir. Réparons notre maladresse et faisons tout pour rester en ces lieux. Et faisons tout pour rester en ces lieux. Arrêtez, je ne sais. Trouve mieux. Se pourrait-il la voix m'est revenue, elle a même repris toute son étendue. Moi qui voulais partir, je vous dirai pourquoi, pour en juger. Écoutez-moi. Thank you.
fuis-tu toujours, ton tour de rota pâle, pourquoi fuis-tu toujours, fuis-tu Charmante conquête habite ce château. Et j'allais le fuir. Comment n'ai-je pas deviné cela? Il faut qu'à l'instant même... Dis donc, Chapeloud, Saint-Farge... Monsieur Alcindor, vous ne pourrez donc jamais vous habituer à m'appeler Saint-Farge. De Saint-Farge. Si, de Saint-Farge, Chapeloud, non. De Chapeloud, Saint-Farge. Au surplus, qu'as-tu à me dire? Voyons, laisse-moi, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, qu'est-ce que c'est que ce ton-là? Dis donc, je ne suis pas ton domestique, hein. En quittant Longjumeau pour venir partager ton bonheur, j'ai voulu être artiste comme toi. Et je suis artiste. Coryphée au grand opéra. M'as-tu seulement entendu pour juger de ma voix et de mon talent? Je suis l'homme des nuances. Je suis plein de nuances. <t'->
marchons, montons, chantez en air. Marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, girons, marchons, combattons, rions, chantons, vivons, dansons, gué, rions, chantons, vivons, dansons, gué, rions, dansons, marchons, girons, frappons. Je représente Zéphyr, ma voix vole légèrement. Si c'est en fleuve qu'on m'admire, ma voix roule comme un torrent. Faut-il assis dans la prairie, charmer les nymphes par mes chants. Les habitants de l'Arcadie, moi je prendrai les doux accents. Oui, des choristes du théâtre, je suis vraiment la fine fleur de ma voix. Et idolâtre, quand on m'entend chanter mon cœur, marchons, marchons, frappons, combattons, marchons, marchons, girons, marchons, combattons, rions, chantons, buvons, dansons, gué, rions, chantons, buvons, dansons, gué, rions, dansons, et ma voix en est idolâtre, quand on m'entend chanter mon cœur, quand on m'entend chanter. Que tu n'es pas la fine fleur des choristes. Mais sache donc que si je désire rester seul, c'est que d'un moment à l'autre, je m'attends à la voir, à lui parler. À qui ? À Madame de la Tour. Tu ne sais donc pas que je suis chez elle ? En l'apprenant, elle s'endort. Ça m'a causé un trouble, une émotion. De l'émotion, toi ! Laisse-moi donc tranquille, voleur de cœur, flibustier de sidère ! Ah, c'est que cette femme-là n'est pas comme toutes les autres. Je jouais Castor à la fin du grand duo, au moment où j'embrasse Pollux. Je m'arrête net. Qu'est-ce que je vois aux avant-scènes? Madeleine. Ta femme? Oh. Non, Madame de la Tour. Ah. C'est une ressemblance. Enfin, c'est Madeleine en plus beau. Je lui lance des œillades meurtrières et pendant un mois, elle ne manque pas une seule représentation. Juge de ma joie, de mon bonheur. C'est ici où je suis venu à regret que je la retrouve. Je te connais. Tu vas achever de la séduire avec tes roucoulades. Ah, mon cher. Quel puissant auxiliaire que la musique pour surprendre le cœur des femmes. Comment demeurer insensible quand je le chante en la... Ah, si désormais veut... On hésite, je passe en si. Ah, si désormais veut... On fait la cruelle, je pousse jusqu'à lutte. Ah, si désormais veut... Je ne peux pas résister en nuque. Il faudrait être sourd. Hit! Je ne me trompe pas. C'est elle, dans ce jardin. C'est vrai, il y a de ta femme là-dedans. Elle se dirige vers ce pavillon. Alcindor, laisse-moi, je t'en prie. À la bonne heure, voilà qui est parlé, je te laisse. Dis donc, si elle résiste, va jusqu'à lutte. Hit! Flamme, non, non, jamais une autre.
Valdivie, et pour séduire celle dont je suis amoureux, ayant recours dans mon délire à mon moyen toujours heureux. Que votre cœur daigne m'entendre, ainsi disent mes voeux. Ma constante flamme, et mi fait ici mon bonheur.
vous douter de ma fidélité. À ce doute, me poignarde toujours mon père, oh Sheridan, oh mon père, oh Sheridan. Rassurez-vous, c'est mon intendant, un ancien ami de collège. C'est une lettre pressée qu'on m'a remise pour toi. Madame, vous permettez que devant vous... De Madeleine, quel contretemps! Rose a bien fait de la remettre à Bijou. Mais qu'avez-vous? Vous paraissez troublée. Est-ce que cette lettre... C'est un bulletin de répétition. Oh, vous cherchez à me tromper. Je suis sûre que c'est un billet d'amour. Mais madame... Remettez-le-moi. Vous refusez? Je le prends. Je crois que je vais me trouver mal. C'est la dernière fois que je t'écris, bon, car t'as pas pitié d'une femme qui t'adore. Ta légitime Madeleine Birotteau. Vous êtes mariée! Moi, mariée? Quelle horreur! Comment? Vous ne voyez pas, madame, que c'est une mystification? Je ne connais pas plus cette Madeleine Barotto Mirotto. Voilà, d'aplomb. Et vous ajoutez foi à une si basse calomnie. Allez, madame, vous ne m'aimez pas! Vous ne m'aimez pas! Vous ne m'aimez pas! Oh, ça va! Je ne sais si vous dites la vérité! Mais vos larmes me touchent. Quelle preuve voulez-vous de ma sincérité? Parlez. Y consentira-t-il? Mon seul bonheur serait de vous voir accepter ma fortune et ma main. Dis quoi de là si tu veux. Ah, madame. Oui, madame. Aujourd'hui même. À l'instant, les liens les plus fortunés vont nous unir. Nous nous perdons. Eh bien, je vais avertir un chapelain qui demeure près d'ici, et dans la chapelle de ce château... Oh non, 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 madame! Permettez que je vous présente moi-même celui qui bénira notre union. C'est un vénérable pasteur qui a pris soin de mon enfance. Vous avez maintenant le droit d'ordonner ici. Allez, ça fait prévenir le saint homme. Moi, pendant ce temps, je vais faire avertir quelques bons amis du voisinage. Ils nous serviront de témoins. Au revoir, mon ami. Pour la vie. Pour la vie. Tu me le paieras. Oh, les femmes. Une rue sans cœur. Qu'est-ce que vous allez faire sans la corde de Bijou? Que complote-t-il là? Imbécile. N'étais-tu pas au foyer de l'opéra lorsque notre camarade Géliot nous a raconté ce bon tour qu'il a joué à une coquette qui le faisait languir? Grand ange. Mais il me faudrait quelqu'un d'intelligent. J'ai l'homme qu'il te faut. Bourdon, une tête superbe. Va vite le chercher. Oh, les femmes. Comme nous en abuserons, les femmes. Dieu soit loué, j'ai tout entendu et tout compris. Quel infernal complot. Pardon, Safa. Le marquis. Ce n'est pas moi que vous cherchiez. J'avoue que... Ah, telle inhumaine. Si je n'étais pas aussi magnanime, je vous le laisserais épouser, votre Saint-Phar. Comment? Vous savez? Oui. Tout à l'heure, j'ai entendu Saint-Phar et Alcindor parler de cette espèce de mariage. Une espèce?
Ce sera bien un mariage véritable. Oh, quelle mystification! Expliquez-vous, je ne comprends pas. Apprenez que ce saint farce joue de votre crédulité et de votre réputation. Le pasteur qui doit bénir votre union n'est autre qu'un vil coryphée qui joue les fleuves et les fontaines à l'opéra. Oh, je ne puis croire. Je vous jure avoir entendu. Monsieur le marquis, combien je vous remercie. Les imbéciles sont parfois bons à quelque chose. Madame, les personnes que vous avez invitées vous attendent dans le salon. Je vais aller les retrouver. Toi, Rose, ne perds pas une minute. Cours chercher le père Anselme. Conduis-le secrètement dans la chapelle. Bien, madame. Et que la chapelle soit obscure. Bien obscure. Passion, ayant l'air de...
de gens comme il faut.
es-tu donc, Saint-Phar? Nous te cherchons partout. Ah, vous voilà, monsieur le marquis. Allons, Bourdon, vite à ta toilette. Et c'est inutile. Madame de la Tour sait tout. Elle sait tout. Au point de se fâcher, elle pardonne à Saint-Phar et ils se marient. Sans curé? Rose a amené un véritable prêtre. Ils sont dans la chapelle et Saint-Phar s'engage pour la vie, sans s'en douter. Comment? Saint-Phar ne sait pas que c'est un véritable curé. Courons l'en empêcher. D'où vient cet effroi? Mais Saint-Phar est marié! Madeleine, Saint-Phar dit encore, il en a reçu une lettre aujourd'hui même. Il serait possible? Monsieur le marquis, courons vite. Il n'est plus temps, le crime est consommé. Ah, je serai vengé. Coquin de Saint-Phar, tu seras pendu. Et vous aussi, qui êtes ses complices? Que faire, mon Dieu, que faire? Ma chère femme. Mon mari, mon cher mari. Madame, tout est prêt pour le déshabiller de la mariée. Ah, ne me faites pas trop longtemps attendre. Tu m'as bien fait attendre 10 ans, scélérat. Ah, si, là.
la plus heureuse vie. Entouré de soi et d'honneur, entouré de soi. Jour je lui dirai, oui, pour lui plaire davantage, chaque jour je redirai. Soyez toujours mes amours près de vous, pas de peine, jamais mon cœur plein d'ardeur ne maudira ses chaînes. Vos attraits pour jamais, je veux être fidèle. À d'autres vœux, oui, je serai rebelle. Croyez à mes tendres vœux, ô ma toute belle. Soyez toujours mes amours. Près de vous, pas de peine, jamais mon cœur plein d'ardeur ne maudira ses Je
merveille. Je n'ai pas vu Bijou, mais l'homme qu'il m'a amené a joué parfaitement son rôle. On dirait qu'il la fixe là toute sa vie. Entrez. Qui diable peut venir me déranger ainsi? Pendu, 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 pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Pendu, 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 pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Mais m'expliqueras-tu? Mais m'expliqueras-tu? Répondons. Pendu, pendu. À la fin, je me lasse. D'où te vient cet effroi? Ah, c'est le coup de grâce. Et là, c'est fait de moi. Et explique-toi mieux. Et là, c'est fait de moi. À la fin, je me lasse. D'où te vient cet effroi? Ah, c'est le coup de grâce. Et là, c'est fait de moi. Explique-toi. Devine-tu. Explique-toi. Devine-tu. Mais répondons. Devine-tu. Parleras-tu. Parleras-tu. Pendu, 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 pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Pendu, 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 pendu. Que dis-tu? Mais m'expliqueras-tu? Mais m'expliqueras-tu? Que dis-tu? Pendu, pendu. Ce diable de marquis, ce diable de marquis, tout est dans ce logis. Dans ce logis, vous avez mis sous pied, vous avez mis sous pied. Tu me vois accablé, tu me vois accablé. Mais dis-moi donc, sauve-nous vite. Explique-toi. Tu es dans la fuite. Mais pourquoi s'est-elle effrayée? La justice nous réclame avec lettre d'avalier. Je suis venu trop tard et tu n'es qu'un bigame. Un bigame. Force de les suivre. J'entends marcher. Monsieur le marié, ma maîtresse m'a dit de vous dire... Madeleine ! Chapelot ! Mais on n'y voit plus rien. C'est donc toi qui le marié. Pas content de planter là ta première femme. Ton épouse une autre. Voyons, Madeleine, ne crie pas. Je vais t'expliquer. Quel est ce bruit ? On se dispute ici ? L'autre à présent. Je voudrais être à 100 pieds sous terre. Pas de lumière. Est-ce vous, sa femme? Je crois que oui, madame. Mais n'êtes-vous pas avec quelqu'un? Non, je ne crois pas. Je suis sa femme, moi aussi. L'ancienne, la vraie. Ciel, est-il possible? Allons, voilà que ça va commencer. Ce matin, vous geriez en
espérance. Comment pouvais-je éviter un pareil danger contre la masse? Seront inutiles, Madame de la Tour n'existera plus. Mourir pour moi si elle comme elle m'aimait, pourquoi n'as-tu pas fait comme elle? À la vengée, mettons tout notre zèle, entraînez ce mauvais sujet. Thank you.
homme ici, ma foi. Tu me quittes pour le théâtre. Et je veux le quitter pour toi. Puisqu'un demi-mêle nous rassemble, aimons-nous en bon villageois, et gaiement répétons ensemble mon joyeux refrain d'autre Oh,